Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. C'est l'édition Chita Tande Nouvel Sa qui entre la caillou. Moi, c'est Mette Info. Quelques soit côté branché, nous disons bienvenue sur le canal Information sans force côté. Information va continuer à évoluer dans le pays d'Haïti. Enquête sous assassinat président Jovenel Moïse là après poursuivre d'après directeur général AI la police là. Journée Madia encore dans Port-au-Prince. Eh bien, c'était une grosse cérémonie. Qui te gagné hommage dans le musée Panthéon National là, donc dans mémoire chef l'État, donc yo assassiné bandit et assassiné, donc parler des commandos armés assassinés. Pour le moment, c'est moun qui te commandité et crime ça, donc la police a cherché, la justice a cherché. Entre-temps, gagné un gouvernement et Ariel Henry qui lui-même présenté cabinet ministériel li el ta doué, donc nommé tête li ta doué, disons officialiser tête li prend service journée madia même nan après-midi d'après toute information yo. Mais entre-temps nous connaît gagné enterrement et funérailles national chef l'état k ap gen pour chanter nan date vendredi 23 juillet k ap vini la nan ville Cap Haïtien. Entre-temps c'est cérémonie hommage qui commençait dans Port-au-Prince. D'abord, nous avons venu pour une série de discours. En pile, moun qui était côtoyé chef l'État, qui était proche, qui était défilé dans le musée Panthéon National, la journée Madia, côté où était fait discours. D'abord, nous avons venu avec extrait plusieurs discours pour, tant que discours pour le ministre démissionnaire qui partit, Claude Joseph, ancien gouvernement Claude Joseph, gagné. Ministre éducation nationale la Pierre Josué Agenor Kader n'a venu avec discours pour gain discours Naoum Dorville qui c'est discours et chef cabinet président Jovenel Moïse. Et puis n'a venu tout avec discours Guichard Doré pour qui lui-même c'était un n'a conseiller un principal conseiller Jovenel Moïse. D'abord discours Joseph, disons Claude Joseph qui c'est ancien premier ministre là. Eh bien, monsieur, Lydie, il était un bon genre rapport avec première dame nan, et c'est ça qui était menel nan pouvoir Jovenel Moïse à côté le devine by service li ak l'état. Donc Lydie, il comparait Jovenel Moïse avec Jean-Jacques Dessalines. Donc Lydie, il y a des différences cependant entre deux monsieur Sayo, Jean-Jacques Dessalines avec Jovenel Moïse, c'est que moun qui était touye Jean-Jacques Dessalines yo, yo te traîné cadavre dans la boue, donc yo te profané et cadavli, et c'est yo tout qui t'a contrôle pouvoir après. Donc différence qui gagne aujourd'hui c'est que moun qui touye Jovenel Moïse yo, c'est pas yo qui gagne contrôle pouvoir droit de cité journée aujourd'hui. Donc li parler de et ça relé et jovenelisme qui et Jovenel Moïse qui t'a yo touye leader pour l'idée. Donc Jovenel Moïse yo touye li assassiné pour l'idée, mais jovenelisme là a continuer l'idée lio a continuer à travers jovenelisme qui c'est doctrine Jovenel Moïse rivé quitter dans pays d'après premier ministre et démissionnaire qui quitter pouvoir. Donc Claude Joseph lui-même lui fait qu'on est gagné Pierre Josué Agenor Kader qui c'est ministre éducation nationale là lui-même. Et bien monsieur monté lui-même très haut côté lui oser comparer Jovenel Moïse avec Jésus-Christ petit bon Dieu. Jovenel Moïse li dit petit bon Dieu a été mouri pour sauver l'humanité, et Jovenel Moïse lui-même li bay tête li en holocauste c'est pour te sauver disons peuple haïtien. Donc ces déclarations Pierre Josué Agenor Kader qui c'est ancien ministre éducation nationale. Et Naoum Dorville chef cabinet ministre disons chef cabinet et président Jovenel Moïse là, donc monsieur lui-même qui pas capable kembe de l'eau dans gel pendant l'étape li discours là. Donc il fait qu'on ait Jovenel Moïse, c'était un grand visionnaire qui était gagné en pile projet, en pile vision pour le peuple haïtien. Mais il a assassiné chef l'État, il a pas capable assassiner Revlio. Donc lui-même tout, lui quoi, Jovenel Moïse. Donc c'était un homme qui était venu pour sauver le peuple haïtien. D'après ça, le fait qu'on ait Guichard Doré lui-même tout. Donc qui c'était conseiller, yon principal conseiller Jovenel Moïse. Donc li fait konnen Jovenel Moïse c'était yon Dessalinien, c'est rêve Dessalinien li t'ap poursuivre, mais c'est dommage yon rive assassiné pour l'idée. Donc
quatre monsieur ça yo parlé de grand visionnaire Jovenel Moïse Teye, d'après ça yo fait connaître, et puis yo parlé tout de discours monsieur qui c'est des discours Dessalines pour peuple haïtien. Donc nous a invité au côté yon après l'autre, et d'abord Claude Joseph, Pierre Josué Agénor Cadet qui c'est ancien ministre éducation nationale, Narum Dorville chef cabinet ministre, disons chef cabinet président Jovenel Moïse là, et puis avec Guichard Doré, et puis au même leur fin temps des discours ça yo, ou même on va analyser pour contour. Nous invite au suivre yon après l'autre quatre personnalités ça yo qui était, et bien c'était bons amis président Jovenel Moïse. C'est sous le coup d'une bien douloureuse émotion et d'une tristesse émue, au nom du gouvernement à l'intérim, que j'ai l'insigne honneur de diriger jusqu'au présent moment, que j'apporte à la dépouille mortelle du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, les hommages d'un sincère regret et d'une juste reconnaissance. La complicité entre nous était totale. Je me rendais souvent chez lui, parfois de manière impromptue, pour échanger les grands dossiers de la nation sur les idées, sa conviction et sa vision du développement économique et social. Du père. Je songeais un jour à la caille président, parce que généralement, moi-même avec Madame Président, nous avons de rapport assez étroit. Dans la caille président, on était dans le salon avec Madame Nina Palé. Le président va te conseiller de Nakayala. Il est venu. Et puis Madame m'a levé de Balchita. Il dit, président, on pourrait même battre un rendez-vous avec vous. Monsieur tombé, oui. Et puis monsieur dit, écoutez, je vais rencontrer là, je vais vous rencontrer au métal. Donc c'est comme ça, mon oui, je vais quitter Kayala, m'aller, et puis plus tard, je vais vous dire que il était une rencontre habituel yo avec les politiques pour jeune issue heureuse à la crise. Et à la faveur du changement de gouvernement intervenu en mars 2020, il a daigné me nommer effectivement à la tête de la diplomatie haïtienne. À force d'échanger et de partager des points de vue avec le président de la République, j'ai fini par épouser ses idées et pour partager les grands projets qu'il voulait réaliser pour le plus grand bien du pays, tels que l'électrification, les infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, la modernisation de l'État, la consolidation de la démocratie, de l'État de droit, et j'en passe. Puis, suite à la démission du Premier ministre Joseph Jout en avril dernier, aux convenances personnelles bien sûr, il a placé sa confiance en moi, en me choisissant comme Premier ministre à l'intérim. Ce faisant, le chef de l'État voulait laisser la porte ouverte à la nomination d'un Premier ministre définitif qui serait issu de l'opposition politique avec pour mission de former un gouvernement d'union nationale sur la base d'un accord politique. En tant qu'homme d'État très conscient des lourdes responsabilités qu'il incombe, et fidèle à son engagement de travailler à la stabilité sociopolitique du pays, préalable, indispensable au développement national, il était plus que déterminé à résoudre définitivement la crise politique qui, disait-il souvent, n'avait que trop duré. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes chers amis, Victor Hugo disait que la mort ne surprend point le sage, il est toujours prêt à partir. À l'instar du père fondateur de la patrie, le président Jovenel Moïse savait qu'il allait partir. L'empereur Jean-Jacques Dessalines disait, après ce que je viens de faire dans le Sud, si les citoyens ne se soulèvent pas, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. Par cette phrase emblématique, il a signé son arrêt de mort. La nation haïtienne est frappée durement. Notre pays est meurtri par la disparition brutale du chef de l'État, son Excellence, M. Jovenel Moïse, dans des conditions d'une extrême barbarie. Haïti, terre de liberté qui, dès le début du 19e siècle, a su dire non à la barbarie, non à l'exploitation de l'homme par l'homme, vient d'être le théâtre d'une action sordide qui a coûté la vie au premier mandataire de la nation.
La conscience nationale, oh, la conscience humaine en est révoltée. Le pays tout entier, le pays profond, est en train de pleurer son président qui était d'une sensibilité extrême pour les masses populaires, d'une très grande proximité avec les classes travailleuses. Partout à travers le pays, et même à l'extérieur, du moins au sein des poussaines de la population, on réclame à juste titre justice pour le président Jovenel Moïse. Alors, il y a une anecdote, il y a un monde qui compare le président Jovenel Moïse avec Dessalines. Je crois que son comparaison qui gagne toute importance. Il y a une seule différence. Et Dessalines fin mourir, monde qui touye lieu, c'est qui a défini l'agenda politique là. Et ils imposé pour pas citer non Dessalines dans le pays pendant environ 50 ans. C'est le contraire avec le président Jovenel Moïse. Si vous voulez gagner un avenir politique certain, faites un pile attention de son dit sur Jovenel Moïse dans le pays. Je dis, c'est un martyr. Nous touyons parce que il y a des rêves pour le pays. Il y a des rêves pour le monde qui laisse tout le pays. Il y a des rêves pour le monde qui vivent dans le pays en dehors. Il est différent avec Dessalines parce que tout de suite nous finissons tout yel. Vous pensez que le peuple a pris la rue, vous avez pris un col, vous pouvez le jeter. Ce n'est pas le cas. En France, nous avons des manifestations. Dans le Nord, nous avons des manifestations qui ont des justices. Ah ouais, nous voyons. À Port-au-Prince, nous voyons ces populations. Deux concerts avec la police nationale d'Haïti qui traquaient en pile en colonie pour elle. Il y a une différence. Désormais, il y a le jovenelisme. Jean-Richard Doré, ce que tu as parlé là, qui a pris forme. Il a pris forme dans tout le pays parce que pour capouiller un révolutionnaire, et vous ne pouvez pas assassiner la révolution. Vous tuez Jovenel, vous ne pouvez pas tuer le jovenelisme. Vous ne pouvez pas tuer ça pour le jovenelisme. Parce que c'est une idée, c'est le courage, c'est la détermination de combattre les oligarques de ce pays. C'est ça qui est le jovenelisme. Vous ne pouvez pas tuer ça. Vous pouvez assassiner tout jovenéliste. Vous ne pouvez jamais tuer le jovenelisme. Immense est notre perte. Infini. Notre douleur, à cette perte et à cette douleur, je veux dire que le moment le plus difficile pour moi, c'est le très touché exercice, mesdames et messieurs, de prendre la parole à présent en cette cérémonie d'hommage au président Jovenel Moïse, un homme intègre, réaliste, nationaliste, patriote, qui, comme le père de la nation, Jean-Jacques Dessalines, lui-même assassiné, a pensé à ceux-là dont les pères sont en Afrique. À la vérité, je suis là pour parler, pour dire un mot en l'honneur d'un homme, d'un chef d'État avec qui j'ai collaboré pendant 4 ans et 5 mois, pendant toute la durée de son mandat. De son avènement à la première magistrature de l'État jusqu'à son assassinat. Et avec lui aussi, j'ai suivi 87 conseils des ministres. À la vérité, dans la nuit du 6 au 7 juillet de l'année en cours, le président Jovenel s'est retiré de la vie terrestre, lâchement assassiné par des mercenaires colombiens, américains et haïtiens, agissant à la solde des oligarques corrompus de ce pays. Mais je sais, comme les premiers qui ont été assassinés, je veux parler du père de la nation,
Jean-Jacques Dessalines, de Sylvain Salnave, de Jean-Jacques Dessalines, Michel Saint-Sinatus Lecomte, de Jean-Simon Villebrun, Guillaume Sam. La mort, l'assassinat de Président Jovenel Moïse ne doit pas passer inaperçu. Et aujourd'hui, la principale priorité pour nous, c'est justice pour le président Brival, pour le président Jovenel Moïse. Je veux dire un mot. L'histoire retiendra ceci du président Jovenel Moïse. À défaut de l'éliminer électoralement, 22 mois de campagne pour être président, de l'éliminer moralement, économiquement, politiquement, socialement, mystiquement, les oligarques corrompus l'ont finalement éliminé physiquement. Mais le rêve du président Jovenel doit persister. On n'a pas éteint son soleil, on a seulement écarté des rayons. Je peux dire, sans vouloir exagérer, à l'instar de Jésus-Christ qui avait donné sa vie pour sauver l'humanité, le président Jovenel Moïse s'est offert en holocauste pour aboutir à la libération d'Haïti. Mais je me réjouis d'une seule chose. Fidèle à sa conviction, il est parti avec bravoure comme il a vécu. Jovenel Moïse a été pour moi. Tout cela là. Quand on s'est rencontré à la chambre de commerce et d'Haïti, on s'est tout de suite reconnu. Et nous avons deux petites sortes qui ont durement travaillé pour obtenir le respect de leur communauté. Deux paysans qui n'avaient pas honte de leurs origines. De nègres de York, qui n'avaient aucun grain en eau, n'a caille aucun orfèvre qui pourrait les faire baisser la tête devant quiconque. On a sympathisé non seulement grâce à nos ressemblances, mais aussi à cause de nos divergences. On est devenus amis parce qu'on a tout de suite été honnêtes l'un envers l'autre. On est revenus frères parce qu'on pouvait compter l'un sur l'autre. J'ai connu Jovenel Moïse, l'entrepreneur. Jovenel Moïse, l'homme d'affaires. Jovenel Moïse, le père de famille modèle. J'ai appris à connaître Jovenel Moïse, le politique. Et j'ai pris plaisir à travailler avec son Excellence, M. Jovenel Moïse, le président de la République. Et je ne regrette pas. Laissez-moi vous dire qu'il a pris la direction du pays avec la même passion qu'il a mise à créer ses entreprises. Toutes ses actions visaient le développement de ce pays qu'il n'a jamais quitté et qu'il a tant aimé. Toutes ses décisions étaient prises dans le but de voir les efforts de ces Haïtiens qui travaillent dans l'ombre porter des fruits. Jovenel Moïse s'est offert en holocauste pour débarrasser l'État des griffes d'oligarques corrompus et criminels. Jovenel Moïse a été assassiné parce qu'il voulait libérer les plus faibles, les plus vulnérables, les opprimés d'un système injuste, générateur de pauvreté et d'exclusion. Jovenel Moïse a été assassiné pour avoir voulu retourner au peuple le pouvoir qu'il lui avait confié par la voie des urnes. Jovenel Moïse a été tué pour avoir voulu des référendums qui établiraient un équilibre entre les trois pouvoirs de l'État et qui donneraient à la diaspora, à la jeunesse et à la femme de son pays la place qu'elle mérite dans la destinée d'Haïti. Il a été humilié, torturé, mutilé, désarticulé pour avoir osé défier le système. Une façon de dire à vous et à moi, à toutes celles
et à tous ceux qui lui ressemblent, voilà ce qui vous attend, si vous osez renouveler l'expérience. Gare à vous, maître gardien du système, Jovenel Moïse nous a déjà ouvert les yeux. Nous-mêmes, c'est la ruelle, pantalon chiré, monsieur dame. Derrière nous dehors, vous avez eu raison de sa force physique, mais pas de sa volonté, mais pas de ses idées, ni de sa vision, ni de son rêve pour ce peuple qui les met en. Jovenel Moïse habitera toujours nos vies, nos pensées, et nous dictera encore l'avenir. Jovenel Moïse a vécu toutes les facettes de la vie haïtienne. Il te connaît pays, il te connaît pays en pile. Et c'est pour cela qu'il a donné jusqu'à son dernier souffle pour voir ce changement dont beaucoup parlent, mais pour lequel trop peu de gens s'investissent. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à pleurer son départ. Le président a toujours dit qu'il n'a pas trahi cause du peuple. Parce que lui-même, il sortit de la paysannerie. Et là, son relation Chanel, il était bien avec le monde paysan. Les oubliés de l'histoire. En pile monde dans la société, a pas un monde dans le pays. Système qui écarte une bonne partie de la population, nous le monde de vos orteils, etc. Jovenel Moïse était un refus à tout ça. C'est un homme qui a foncé la porte de l'histoire pour apporter de justice, une idéal de progrès à la nation. Je crois que après ça qui est passé là, la nation tout entière, et même les opposants les plus farouches du président, ils ont condamné à tort. Nous voyons dans le monde international, la communauté internationale dans son ensemble, les chefs d'État et de gouvernement, dans le monde africain, nos frères de l'Afrique, ils ont consterné. Donc, Jovenel Moïse était en dialogue permanent avec l'histoire. Tout dossier le moyen, c'était toujours quelle est la dimension historique de ce dossier. Moi, j'ai côtoyé le président pendant plus de 6 ans, 2 ans pendant la campagne électorale, 4 ans et demi, 4 ans, 5 mois pendant le président. Je voyais toujours un homme qui était en perpétuel questionnement avec l'histoire. Doré, ça me fait là comment l'histoire juger. C'était toujours comme ça. Je se voyais comme un homme de l'histoire. Il avait une mission historique pour ce pays, surtout pour les masses rurales. Oui, tout programme dit, c'est président souvent, nous toujours moi dans le bureau, il appelé, qui connaît de l'eau, est-ce qu'il travaille, il est tel ministre, il est tel directeur général, j'ai jamais vu, il travaille avec plusieurs hommes politiques, mais plus petit, côté en section communale, là, à quel niveau projet il est un homme d'action, un homme de réflexion, un homme qui a épousé la cause populaire, Jovenel Moïse, c'est cet homme-là. Il était un homme humble, simple. Manger toujours un président. D'ailleurs, je pense que manger même pareil parce que moi j'ai voté local. Depuis le bon troisième président, il dit, ambassadeur Brasil, fais-nous rentrer. Parce que je ne connaissais pas pour manger avec le président. Pour moi, ce n'était pas un conseiller, c'était un ami. Nous dialoguions autour de la table, on discutait. Discutait de la fête pays. Je n'ai jamais vu le président Jovenel Moïse qui n'a rien pour personne. Mais son problème à lui, c'était les misères, la masse populaire haïtienne. C'était ça que tu es massé, ça que tu es problème. Il va gagner crime. Moi, quand les gens disent que le président Jovenel Moïse sont criminels, ce n'est pas connaître l'homme. Ce n'est pas connaître l'homme. Le président Jovenel Moïse va gagner 100 personnes sous lui. Son principal ennemi, c'était la misère du peuple haïtien. Plus de 80% de la population en misère. Alors que si nous utilisons les moyens, comme il dit, terre, sol, si nous mettons énergie nous ensemble, nous avons fait beaucoup de choses pour le pays. Parce que plus que 200 ans avant, nous avons gagné, on peut être l'appel des Antilles. C'était cet homme-là qu'on a assassiné. On a assassiné les rêves. L'homme, il y a les deux corps du président. Le corps immortel, la nation dans son ensemble, déjà embrassé déjà. Projet ça pas mourir. Mais il y a le corps, je dirais, naturel, qui est parti. On l'a sacrifié. Et du 6 ou 7. Ça, c'est la famille. Mais la nation dans son ensemble, reconnaît Jovenel Moïse après toutes ses ouvertures, après Dessalines. C'est un grand héros de notre pays. C'est un héros pour les gens qui luttent pour sortir d'un système d'exploitation, pour sortir d'un système qui exterminait les plus faibles. Jovenel Moïse, c'est cet homme-là qu'on a assassiné. Jovenel Moïse, le président de la République, c'était un homme de l'histoire.
est un acteur de l'histoire. Tout ce qu'il faisait, il voit l'histoire. Qu'est-ce qu'il fait pour rendre meilleures les conditions de vie de la population? C'était ça son rêve. Il n'avait pas de haine pour personne. Jovenel Moïse, c'est un exemple de dignité face à l'humiliation. Jovenel Moïse, c'est un exemple de liberté, de lucidité face au désespoir. Jovenel Moïse, c'est cet homme-là qu'on a assassiné. N'entendez pas les Petro-Caribé. Président Jovenel Moïse a fait réaliser l'étude sur les Petro-Caribé. Il a l'enquête. Il a l'enquête. Je peux vous assurer, il a l'enquête. Il est un homme de courage. Il est en contact permanent avec l'histoire. Un dialogue constant avec l'histoire. Parce qu'il a toujours dit que ses origines, là côté de Sotia, il va être trahi de la population. Parce que déjà, bah ouais, d'ailleurs, le président Jovenel Moïse, même avec conseiller, par exemple, moi-même personnellement, je me rappelle de mon entreprise, le président dit que je vais faire une entreprise. Premier bas, fermer l'entreprise. Dis non, pas avec un scandale autour de lui-même. C'était cet homme-là, un homme exemplaire. Un homme d'une vision remarquable, un visionnaire impénitent. C'est cet homme-là qu'on a assassiné. L'histoire de ce pays doit retenir qu'il y a quelqu'un qui a tenté de foncer la porte de l'histoire pour apporter le bonheur à la majorité souffrante. Et ça me dérange pas, le président Jovenel Moïse, c'est la souffrance de la population au quotidien. Il était toujours à vivre ça. Monsieur, ça peut faire pour le peuple. Bonjour, président. Pardon, on dit ça pour l'histoire, parce que c'est l'histoire, il est déjà mort. Non, mois d'octobre, le président va faire un discours. Ticket, courir, descend dans le palais. Dit, président, pourquoi ils ne sont pas fait discours ça? Il y a des conseillers qui ont témoigné. Dis donc, vous qui ne sont pas venus parler. Dit, président, bon, je souhaitais que nous quittions l'espace, ça vous parlons l'autre. Il dit non. Et moi, c'est peut-être l'un des discours historiques que le président Jovenel Moïse a tenu contre la vie de ses conseillers. Mais l'histoire retiendra. Il a dit trois choses. Il y a un système, il y a un maître, il y a les gardiens du système, il y a les victimes du système. Et ce discours-là, c'est un discours historique. Donc, il y a d'autres mondes, le rêve des jeunes. Il y a un jovenelisme, il y a un terme courant politique, de pensée politique qui a été édicté. Cet homme-là, l'histoire avec grand H retiendra que dans un combat illégal, il a eu le courage pour la foncer, pour affronter un système qui gagne des gardiens, qui gagne des maîtres. Mais les victimes sont nombreuses. Il y a plus de 80% de la population victime. Je ne crois pas que nous avons prêté sur le silence. La mort du Jovenel Moïse doit porter nous à réfléchir sur le destin national. Le destin de ce pays, c'est un destin cauchemardesque depuis quelques années. Il revient à nous de faire du pari un bagage de bonheur pour tout le monde. Sans exclusion, contre les riches, contre les pauvres. D'ailleurs, le président Jovenel Moïse, c'est un discours transcendeur. Il a transcendé les difficultés de quotidien. Faut que nous disions, amis téléspectateurs, amis internautes, discours a qui était déroulé une après l'autre, il y a un pile personnalité qui t'a parlé encore, mais nous te tiens à relever, disons, et discours a eu quatre personnalités ça qui était une qui était plus proche Jovenel Moïse, mais pour nous te force tendez discours. Donc, il n'y a pas manqué tout, pas fait éloge, bon genre moment, il était passé avec le président dans le cadre de collaboration dans le travail. Donc, il faut que nous disions le corps diplomatique là, qui lui-même était toujours à supporter Jovenel Moïse, sauf que, disons, dans toute entreprise, li, toute initiative, il était prend, sauf que il n'y a pas de jambes débloquer l'argent pour te balle l'argent pour être capable et bien faire développement que l'État parle malheureusement et bien il y a tout est présent dans et bien cérémonie hommage ça qui était déroulé dans musée Panthéon National la journée madia et faut que nous dire tout funérailles et bien chef l'État n'a pas rappelé au l'a chanté dans ville au Cap Haïtien vendredi 23 juillet qui a venir là entre temps et disons hommage a continué à travers toute la République là, et puis gagné question, disons, deux jours fériés, 22 avec 23 juillet, gouvernement décrété dans toute République là, en hommage avec défunt Jovenel Moïse. Faut que nous disons dans un communiqué, yo mettez dehors pour la presse, madame président mettez dehors, il fait qu'on est, eh bien, il n'y a pas besoin l'agent l'État, famille Jovenel Moïse, pas besoin l'agent l'État pour y faire funérailles. Maril, président Jovenel Moïse, donc il dit, eh bien, famille a prend en charge toutes dépenses qui fait dans le cadre, eh bien, funérailles Jovenel Moïse. Gouvernement Ariel Henry a lui-même, qui joigne support communauté internationale là, à travers ambassade américaine à co-groupe là, eh bien, lui est venu, lui présenter cabinet, nouveau cabinet ministériel là, journée jeudi à tout nouveau gouvernement, journée
Madia et gouvernement ça tout est doué installer même journée Madia installer tête li même journée Madia nan primatia donc yon disons yon ça n'était capable de reler yon grande première nan l'histoire pays d'Haïti question ben yon gouvernement qui li même installer tête li pour compte li puisqu'elle pas gagné l'autre li pas gagné autorité pour installer. Donc gagner secteur démocratique à populaire lui-même dans cadre installation gouvernement ça présentation gouvernement ça gouvernement Ariel Henry lui-même li condamné secteur démocratique à populaire a condamné eh bien gouvernement Ariel Henry et li mandé à toute parti politique dans opposition mais pour dit eh bien qui monde qui représente yo dans pouvoir Ariel Henry puisque yo dit c'est un gouvernement largement large consensus national yo formé d'après ça yo fait qu'on est faut que nous disons gagner mais enquête yo qui yo même après poursuivre nan niveau la police nationale d'Haïti et pour enquête pour joindre moun qui t'est touillé et ça yo les cerveaux qui t'est derrière assassinat président Jovenel Moïse là. Donc directeur général AI la police là dans un point de presse journée Madia annoncé yo arrêté encore deux policiers deux autres policiers qui c'est Bonnie Grégoire avec Clifton Hippolyte qui yo même eh ben gagné tout un certain Dominique Covin donc qui yo même eh ben monsieur Sayo eh ben yo ta gagné pour ouais avec assassinat deux policiers ça spécialement yo t'ai participé dans et ça a été les rencontres qui étaient faites de planification pour yoté assassiner président Jovenel Moïse là la caille n'a pas les 5 dans la nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet passé. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'est là nous été avec édition Nouvelle Sahara et spécial Sahara question cérémonie hommage qui a continué pour défunt président Jovenel Moïse. Donc nous c'était amis au frère mettre info qui t'a servi. Donc, à ce rendez-vous demain, même le à même chaîne, non. Si papa, bon Dieu, content. À bientôt.